Alors, exercice sur l'espace. Chaque fois je bouge là. Alors on a un superbe cube d'arête de côté 1. Dans tout exercice, ce rapport. L'espace est reporté au repère tournant normé A, AB, AD, AE. Bac 2021. Bam. Ok, on est dans le repère A, AB, AD, AE. Donc ça c'est l'origine A. Là on a X, Y, Z. A. Par lexicographie, donner les coordonnées des points I et J. Alors, I se trouve là-haut, sur la arête de EF. Donc j'ai besoin de me déplacer. 1,5. La moitié de AB. Pas besoin de faire du AD. Et après, je dois monter. Bam, AE. Donc il me faut un point. J. Alors, J. Alors, J deux fois à droite, donc il me faut 2. 0 à D et on monte de 1. On déduit les coordonnées des vecteurs DJ, BI et BG. Donc, il faut les coordonnées des vecteurs D. Cette technique là, D c'est 0 1 0 et du coup ils veulent DJ, donc on sait que c'est XJ moins XD. Ah, pourquoi il n'y a pas eu
Ah, c'est dommage, j'ai pas l'image. XJ moins XD, YJ moins YD. ZJ moins ZD. On calcule. Alors, X, alors le point J, il est là, ça fait 2, 0, 1, moins, moins, moins. D, 0, 1, 0. Donc ça fait 2, moins 1, 1. Ensuite, ils veulent BI. Alors, BI. Alors, BI, est-ce qu'on le fait? On peut le faire d'une autre technique. Directement sur le dessin, c'est sur la face de devant. C'est-à-dire qu'on peut, partant de B, il faut que j'aille un demi à gauche. Donc moins un demi. J'ai pas besoin de partir en AD et après j'ai besoin de monter. Donc ça fait 0. BG. Alors BG, est-ce qu'on peut faire pareil? BG, c'est la diagonale sur la face de droite. Donc faut que j'aille en BC. Donc j'ai pas besoin de AB. Faut que j'aille en BC une fois et ensuite je monte une fois. Donc voilà le vecteur BG. Donc c'est bon pour petit B. Alors, le petit C. Alors, le petit C. Montrer que DJ est un vecteur normal au plan BGI. Alors, DJ. Normal au plan. S'il est orthogonal. Deux vecteurs de ce plan. Alors DJ on l'a. On avait dit 2 moins 1, 1. Alors le alors on va prendre le BG, bah oui, on a BG et BI. Nickel. Donc on va faire le produit scalaire. DJ scalaire BI. Si ça fait 0, ça marche. Donc DJ 2 moins 1, 1 scalaire BI moins 1,5, 0.
Alors, on va faire la formule x, x prime, plus y, y prime, plus z, z prime. Donc là, on a x, y, z, là, on a x prime, y prime, z prime. Alors, 2 fois moins 1, plus moins 1 fois 0, plus 1. Ah non, mais c'est pas un moins 1, c'est moins 1 demi. Plus une fois 1. Donc ça fait moins 1 plus 0 plus 1. Et on tombe bien sur 0. Donc là, c'est bon, ça fait 0. On fait pareil avec BG. DJ scalaire BG. Alors, on reprend les mêmes vecteurs. 2 moins 1, 1. BG, on avait trouvé 0, 1, 1. C'est parti, on fait une multiplication. 2 fois 0 plus moins 1 fois 1 plus 1 fois 1. Donc ça fait 0 moins 1 plus 1. Ce qui nous fait bien 0. DJ scalaire BG égale à 0. Donc DJ est un vecteur normal au plan. Au plan BGI. Alors ensuite, montrer qu'une équation cartésienne du plan BGI est ce truc-là. Ok. Alors, on prend le vecteur normal. Donc DJ, le vecteur normal. De coordonnées 2, moins 1, 1. Alors, une équation cartésienne de plan, c'est ax plus by plus cz plus d égale 0. A, b, c sont les coordonnées du vecteur normal. Donc, ce qui veut dire qu'on aurait 2x moins y plus z plus d égale 0. On prend un point appartenant au plan
Bah, on peut prendre prendre le point. Quel point? BGJ, bon, pour le point B, c'est plus facile. Point B, alors les coordonnées du point B, je crois qu'on les avait fait. Non, il n'a pas fait le point B. Bah, c'est 1-0-0. Donc ça fait 2 fois 1 moins 0 plus, donc ça c'est x, y, z. Plus 0 plus d égale 0, ça fait 2 plus d égale 0, ça fait d égale moins 2. Du coup, équation cartésienne. Donc 2x moins y plus z plus d. Ah. Moins 2 égale à 0. C'est bien ça qu'il fallait retrouver. Next. Question 2. C'est très rapide. Faudrait que j'arrange ça. Alors, note D, la droite passant par F, orthogonale au point BGI. Termine une représentation paramétrique de la droite T. Détermine une représentation paramétrique de la droite D. Ouais, on note D, la droite passant par F, orthogonale au plan. D. Passant par F, coordonnées point F, 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 c'est 1, 0, 1. Orthogonal au plan PGI. D est orthogonal au plan BGI. Alors, une représentation paramétrique
De manière générale, ça s'écrit x, y, z. Un point de la droite. Donc xf, yf, zf, plus alpha t, bêta t, gamma t, avec t appartenant à R. Donc alpha bêta c'est le coef directeur, le vecteur directeur, pardon. Alors la droite D, on sait qu'elle est orthogonale. Donc c'est-à-dire que le vecteur directeur U est collinéaire. Collinéaire au vecteur normal du plan. Donc le vecteur normal, on avait dit dj. Donc ça veut dire que U c'est pareil que dj. Ce qui veut dire que la représentation paramétrique de x, y, z. X, y, z, xf 1, 0, 1. Dj, c'était quoi? Dj 2 moins 1, 1 plus 2t moins t plus t avec t appartenant à R. Petit b. Comme ça, on voit la représentation paramétrique. On considère le point L de coordonnées le tiers, un sixième, cinq sixièmes. Montrer que L est le point d'intersection de la droite D du plan BGI. Donc là, L est l'intersection de la droite D et du plan BGI. Là, c'est bien technique. On a l'équation de la droite, x, y, z, 1 plus 2t moins t, 1 plus t, t appartenant à R, et on a l'équation du plan, 2x, donc ça c'est d ça, c'est bgi. 2x moins y plus z moins 2 égale 0. Donc là, je vais insérer x, je vais remplacer par un plus de t, y par moins t et z par un plus t. Deux facteurs de 1 plus de t moins t plus 1 plus t. Moins 2 égale 0. Donc là on va trouver t. Là on va développer 2 plus 4t moins moins ça fait plus t plus 1 plus t moins 2 égale 0. 4, 5, 6, je vais citer 2 moins 2 ça s'annule plus 1 égale 0. Si t est égal à moins 1 est égal à moins 1 sixième.
Une fois que j'ai trouvé T, je le remplace ici. X est égal à 1 plus 2 fois moins 1 sixième. Y est égal à moins 1 sixième. Et Z est égal à 1 moins 1 sixième. Ce qui me fait x égale 2 tiers, y égale 1 sixième et z égale 5 sixième. Et c'est gagné, c'est bien le coordonnée point L. Dernière question. On rappelle que le volume V d'une pyramide est donné par la formule V égale 1 tiers fois l'aire de la base fois hauteur. A. Calculer le volume de la pyramide FBGI. Donc, il me faut l'aire de la base, c'est le triangle B, ouais, c'est le triangle rectangle. BR est égal, B est égal à R de la R du triangle rectangle. Du coup. C'est base fois hauteur divisé par 2. La base c'est FB fois FG sur 2. Mais j'ai aucune distance là. J'ai aucune distance. Et la hauteur, c'est égal à IL. Il faut que je calcule toutes les distances. Je sais même pas si j'ai le vecteur FB. B, on avait dit B, on avait dit 1, 0, 0. F, on avait dit 1, 0, 1. Donc ça fait racine de 1, ça fait 1. Bah oui, c'est racine d'unité 1. Ah oui, donc FG ça fait 1 aussi.
Cool. Donc l'air de la base est égal à 1 fois 1 sur 2. C'est égal à 1/2. Et la hauteur IL. Là par contre. Le point I, j'avais trouvé comme coordonnée. Un demi 0,1. Et L était donnée précédemment. On avait retrouvé 2 tiers, 1 sixième, 5 sixièmes. IL il y a du calcul là. L, donc on commence par l'arrivée, 2 tiers moins 1 sixième moins 5 sixième moins I 1 demi 0 1 Alors, 2 tiers. Un sixième au carré plus un sixième au carré plus moins un sixième au carré. Intéressant. Donc ça fait 1 sur 36 plus 1 sur 36 plus 1 sur 36, ça fait 3 sur 36. Bon, racine de 3 sur 36. Et ça fait racine de 3 sur 6, du coup. Environ égal à 0,28. Bon, on s'en fiche, on veut la valeur exacte. Ok. On peut que calculer notre volume. Un tiers. 1/2 fois racine de 3 sur 6. Trois fois 2, 6, 36. Racine de 3. Pense que ça simplifie ça. Calculatrice, racine de 3 sur 36. Non. Ça fait environ égal à 0, 0. 48. Unité de volume. Petit b. En déduire l'aire de triangle BGI. BGI. Bah, il faut faire BI fois IG divisé par 2.
Il y a la BI fois IG divisé par 2. Bah, BI, on l'a déjà fait, je crois. Le vecteur BI. Non. Non, on a fait BG. Si, B, non, BI, si je l'ai, BI. Ma BI et IG, c'est la même. Donc ce sera racine carrée de moins 1 demi au carré, plus 0 au carré, plus 1 au carré, fois la même chose. Le tout sur 2. Comme c'est racine fois racine avec la même chose dedans, c'est cool. La racine carrée s'annule. Un quart plus un quart. Bon, je vais l'écrire. Donc ça fait. Donc là, c'est divisé par 2. Ah, c'est le carré. De un quart. Plus 0 plus 1 sur 2. Quatre, 4, 4 et 1, 5, ça fait racine de 5 quarts sur 2. Ça fait racine de 5 sur 2, le tout divisé par 2. Parce que racine de 4, ça fait 2. Ce qui fait racine de 5 sur 2 fois 2 sur 1, ce qui fait racine de 5. Ben voilà, on a finito. Ciao tout le monde.